Encore une fois, bonjour à tous. Monsieur Peter Nathan est arrivé sain et sauf en Afrique du Sud, où il participe au camp d'été pour les jeunes. Tout a commencé mardi avec l'arrivée des campeurs et l'orientation du mardi soir. J'ai eu la merveilleuse opportunité de m'adresser à eux pendant environ une demi-heure via Zoom, et j'ai pu voir Monsieur Nathan et Monsieur Chris Pringle de Charlotte, qui est là-bas, pour apporter son aide. J'ai pu voir tous les campeurs et les superbes installations dont ils disposent, du moins lors de l'orientation. Je n'ai pas vu le reste du camp, mais il semble qu'ils disposent de très belles installations. Et j'ai pu parler pendant environ une demi-heure en leur donnant certains des principes et certaines des traditions que nous essayons d'inculquer dans nos camps. Nous leur avons inculqué trois règles, éviter de se blesser, prendre soin des autres et respecter la nature. Et à peu près tout entre dans ces trois catégories. Nous leur inculquons ces règles et bien sûr, nous vivons en fonction des dix commandements. Mais faire pour les autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous est certainement un principe fondamental que j'essaie de leur faire comprendre de diverses manières. C'était agréable de voir certains de nos adolescents là-bas. Je n'ai pas pu en reconnaître beaucoup, mais je sais que j'ai rencontré un certain nombre d'entre eux en février 2020 lors de ma visite en Afrique du Sud et au Lesotho. Et nous avons des jeunes du Lesotho, qui est un pays d'Afrique du Sud, et d'Eswatini également. Je n'y suis pas encore allé. Certains viennent de Port-Elisabeth, où j'ai eu la chance de les rencontrer dans la région de Johannesburg, Pretoria, ainsi que dans la région du Cap. Je suis sûr qu'il passe un moment merveilleux et j'espère que tout le monde est en sécurité là-bas et nous devrions certainement prier pour la sécurité de nos campeurs et des camps en général. D'ici une petite heure environ, je vais dispenser un cours de vie chrétienne à ceux qui sont en Afrique du Sud également. Monsieur Ferreira m'a invité à le faire et j'ai vraiment hâte de leur parler une fois de plus. Par ailleurs, en Afrique du Sud, je peux vous dire que notre publicité sur Facebook fonctionne très bien. Le coût par réponse est très faible. C'est vraiment le meilleur résultat de tous les pays où nous en avons fait de la publicité. Les chiffres ne sont pas très élevés, mais cumulés sur une année, ils s'additionnent et c'est très important. En ce moment, nous avons reçu 222 demandes du cours de Bible en anglais et 159 en afrikaans depuis le 4 décembre. Elles s'additionnent et si l'on prend l'afrikaans et l'anglais, on arrive au chiffre de près de 400. Nous en sommes donc très reconnaissants. Le cours de Bible est une ressource si importante que nous avons pour aider les gens à comprendre la Bible et espérons-le, à transmettre l'Évangile au monde et à diffuser la bonne nouvelle. J'espère que vous surveillez tous les informations, car lorsqu'il est question de guerre et de bruit de guerre, c'est ce que nous voyons en ce moment. Nous avons la situation en Ukraine, où les Russes ont posté une armée massive à la frontière, soit à des fins de chantage, si l'on peut dire, pour obtenir ce qu'ils veulent de l'Occident concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ou pour s'emparer de ce territoire. Il est difficile de penser qu'il ne s'agisse que d'un bluff, bien que cela puisse très bien être le cas, et nous devrons attendre et voir ce qui se passe. Mais en même temps, nous avons la situation avec la Chine et Taïwan, où les Chinois survolent le territoire taïwanais, et bien sûr, il s'agit d'une longue histoire entre les deux pays. Certains ne considèrent pas Taïwan comme un pays, mais ils se considèrent certainement comme tel. Et bien sûr, la Corée a accéléré son programme de test de missiles. Cela s'est produit très rapidement après le désastreux retrait des États-Unis d'Afghanistan. Et puis, bien sûr, l'Iran se rapproche de la détention d'une arme nucléaire. Nous ne savons pas exactement où il en est. Cela varie de temps en temps en fonction des rapports. Le sentiment est qu'ils s'en rapprochent beaucoup. Et donc Israël ne va certainement pas le permettre s'ils sont impliqués dans cette affaire. Et donc il y a cette situation. Nous avons par conséquent le potentiel de trois guerres majeures, car si une guerre éclate au Moyen-Orient, qui sait, ce sera très compliqué. Les conséquences de l'inaction de l'Occident, si Taïwan est envahi ou bloqué d'une manière ou d'une autre, ou si la Russie entre en Ukraine, constituent des enjeux énormes en ce moment. Donc j'espère que vous regardez les nouvelles en provenance de ces régions. Au Canada, nous avons le plaisir d'annoncer que M. Stuart Vakovic a ordonné M. Marc Arsenault au rang de pasteur lors de l'Assemblée du sabbat du 11 décembre. M. Arsenault a servi des congrégations en Ontario, à Saskatchewan et au Manitoba. Il est maintenant en poste au Québec, où il a déménagé tout récemment. Nous sommes très heureux pour M. Arsenault. J'étais présent lorsque nous l'avons embauché, à l'époque où j'étais au Canada, et il est bon de voir la croissance que lui et son épouse ont développée au fil du temps et le fait d'être ordonné pasteur et de superviser l'ensemble des congrégations au Québec. J'en suis donc très heureux pour lui. J'espère que vous avez regardé les informations concernant les Philippines. Un terrible typhon s'y est abattu. Un énorme, un super typhon qui a frappé là-bas et un certain nombre de nos membres ont été touchés par ce typhon. Tous sont sains et saufs. Ils n'ont pas perdu la vie ou quoi que ce soit d'autre, mais certains ont perdu leur habitat. Il y a un rapport dans le bulletin d'information de cette semaine et j'espère que vous prendrez le temps de le parcourir et de voir à quel point cela peut être éprouvant de subir un ouragan l'un de nos ministres était là-bas pour rendre visite à sa famille et a vécu l'onde de tempête en direct donc je dis ouragan typhon comme ils l'appellent là-bas ou cyclone ici on appelle ça des ouragans c'est une tempête gigantesque pensez à eux dans vos prières Souvenez-vous aussi des gens du Kentucky et des autres États qui ont été touchés par les tornades, qui les ont traversées. Je pense qu'il y a eu environ 36 tornades, mais il y a eu une tornade épouvantable qui a détruit plusieurs villes et j'espère que vous vous souviendrez d'eux dans vos prières également. Et j'annoncerai probablement la semaine prochaine ce que nous avons été en mesure de faire pour aider nos abonnés dans cette région. Voici, c'était Gérald de Weston pour la semaine se terminant le 25 décembre 2021. Passez un merveilleux sabbat.